Eh gros. Ah Luffy? Ah j'avais oublié de te dire quelque chose. En fait, c'est personnel un peu, tu vois. Tu vois, il y a mes parents qui sont partis en vacances. Et genre, ils m'ont laissé tout seul. Mais en fait, le problème, c'est que j'avais un chien, en fait. Je l'avais. Mais tu l'as vu. Et je l'ai plus. Mais comment ça se fait? Non! J'ai oublié de lui donner à manger. Il est mort? Ouais! Oh le con! Eh gros, eh gros! Sinon, vu que. Bon, le lapin c'est comestible, je peux le manger. Enfin, le lapin, le chien. Bah oui, enfin, tu vois, je suis un petit peu chinois, donc. Enfin, chez nous, ça se mange. Je vais te dire un truc, genre, vu que des fois, je sors mon chien et tout, et mes potes ils me disent, ah, tu joues avec la nourriture, hein? Après, je leur dis, hey, fais gaffe où je mange ton chien. Après, tu vois, il court. À ton avis, si je le change et je prends un autre pareil, ça va marcher? Ben, ils viennent quand tes parents? Mes parents, ils viennent. Il est quelle heure là? Il est 22h10, ils viennent à minuit. Ah non, en gros, t'as que 2 heures. Vu que mes parents sont myopes et daltoniens, ils remarqueraient pas. Ouais, tu vois, mes parents, ils ont des lunettes, c'est énorme, tu vois. Donc, bon. Mais je vois pas le rapport, mais en fait. Putain, mais t'es con, tu prends un sac poubelle, tu le donnes à quelqu'un. Je donne à quelqu'un? Bah oui, soit ça, soit tu le noies. Au pire, tu voudrais pas que je te donne le corps vite fait? Pas du tout. Vers Paris. Bah gars, c'est mort. Toi, t'habites où, toi? À Migène. Bah, si tu veux, je peux me téléporter, y a pas de souci. Non mais y a pas de machine pour téléporter les gens. En 2016, rien n'est impossible. Ah si, tout est impossible. Enfin non, il y a des choses possibles, il y en a qui est pas possible. Au pire, tu penses que si je lui mets des ficelles et que je le fais bouger, tu penses que ça marchera? Ou alors tu donnes à quelqu'un, tu lui dis, tu vends un cœur de chien à 5 euros. Ouais. Et toi, t'as pas un chien, sinon tu me passes et on échange. Alors, je peux pas te passer un chien en échange, parce que j'en ai pas. Ou alors, tu dis, il est tellement fatigué. Je lui dis qu'elle est fatiguée. Ouais, tu dis, tu l'as emmené chez le médecin, et le médecin, il a dit, il faut qu'il dort pendant un mois, au moins. Voilà, dernier kill, c'est moi. Ah, tu fais du 3-14. Ça va, un hein, 3-14? Ouais. Allô? Allô? Y a pas des gens pour faire un groupe? Ouais, mais là, y a Nuketown, mec, hein, je suis désolé. Ah, bah vas-y, après alors. Bah après Nuketown, parce que là. Après Nuketown, y a Nuketown. Bah après Nuketown. Ok, donc on fait ça après Nuketown. Ouais. Ok. Ouais. Eh mec? Ouais. Eh, vu que t'es là, je peux te parler de quelque chose vite fait? Ouais, vas-y. Eh, tu rigoles pas, hein? Bah non, je m'en bats. Genre, je voulais que tu me donnes quelques conseils. Bah vas-y, dis. Je sais pas, si. Enfin, tu vois, les végétariens. Ah, mais y'a tout le monde qui rigole derrière toi, donc, tu vois. Mais oui, mais c'est mon oncle et mon frère. Ils rigolent sur moi. Mais non! Ils t'entendent pas, y'a que moi qui t'entends. Ah, bah dis-leur de rigoler un petit peu moins fort, s'il te plaît. Ouais, du coup, moi, tu vois, je suis végétarien. Depuis que je suis petit, je mange que des croquettes pour chien, tu vois. Ah ouais? Ouais. Et en fait, j'en ai marre parce que, du coup, les gens, vu que je mange ça, ils arrêtent pas de se moquer de moi, tu vois. Ils m'appellent, tu vois, Rex. Tu vois, les noms de chiens et tout. Ouais, bah, je sais pas, mec. Mais moi, en tout cas, moi, ça me fait pas rire, c'est. Ah, bah oui, c'est pas drôle. Après, si tu ne dis pas tes conneries, sûr que. Mais je dis pas de conneries. Ah, c'est vrai ce que tu dis? Bah, ouais, c'est pour de vrai, je te promets. Je rigole pas. Mais non, mais moi, je rigole pas. Si, tu rigoles, en plus, tout à l'heure, ils rigolaient derrière toi. Mais ils t'entendent pas. Ah, ils m'entendent pas, d'accord. Moi, je mange ça depuis que je suis petit, pour moi, c'est devenu normal, tu vois. Et c'est quoi, c'est tes parents qui t'ont donné ça? Bah, non, genre, il y avait mon chien, je sais pas, j'avais genre 6 ans, et genre, il mangeait ses croquettes, tu vois, et j'étais tout seul avec lui dans la cuisine, et j'en ai goûté une de croquette et j'ai bien aimé, tu vois. Et du coup, ah ouais, tu manges ça depuis? Ouais, je mange que ça. Putain, j'espère qu'il va revenir. Ah, il m'invite. Ouais, bah, du coup, mec, je sais pas. Après, t'es comme tu es, hein. Dis-leur qu'il allait se faire des chiens et voilà. Ouais, mais tu vois, c'est pas gentil. Enfin, je sais pas, moi, j'aime pas tout ce qui est la violence, tout ça. Tu vois, les petits avant à l'école, eux, ils ramenaient leur goûter et tout. Moi, je ramenais des croquettes pour chiens, tu vois. Donc, et là, moi, je suis petit, ils m'appellent juste le petit nain et ils m'en bat les couilles, tu vois, c'est drôle. Tu fais combien toi? Je fais combien moi? Je fais 1m62 je crois. 62? Oh le petit nain! C'est mon oncle qui joue là. Ah mais dis-lui qu'il arrête de me suivre s'il te plaît. Il prend le pompe. Il prend le pompe? Ouais. Ah il aime bien pomper? Ouais il aime bien pomper. Pas mal celle-là. Tu me passes ton oncle après? Ouais si tu veux. Et je vais parler de mon problème, comme ça il me donne quelques conseils tu vois. Je crois qu'il va le répéter hein. Il va le répéter? Mais non je pense pas. Ah bon ça va alors. Dis-moi tout mon ami. Bon déjà je suis pas ton ami. En fait tu vois depuis que je suis petit.
De la frappe, j'en ai un méchant sac, tu veux. Nous on a un rot, donc si tu veux, il y a peut-être business, tu vois. Non mais t'as vu, déjà tu te moques de moi, donc c'est pas cool. Non bah on en mangeait tous quand on était petits, après bah si t'as gardé le truc, c'est pas grave, y'en a qui font pire si ça peut te rassurer. Sur ce, je lui rends l'oreillette, j'ai besoin de mes deux mains pour mouler une clope. Faut être plus malin que son prochain. C'est qui mon prochain? Le prochain Call of Duty? Mais non. Le Noël prochain? Non.